Salut, salut, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Capitaine Blécube saison 2. Donc je viens de faire la mise à jour 1.2 mais malheureusement j'ai pas pensé que mes mods allaient pas être à jour. Donc là on va commencer l'aventure normalement, sans mod, sans rien. J'ai juste ajouté le mode CJB pour voir un peu le temps des épisodes que je me fixe. Pour pas faire des trop longs épisodes et comme ça avoir un peu le temps pour quand je vais en caverne et tout ça pouvoir remonter et pour faire des épisodes. C'est juste en fait pour m'aider pour mes épisodes quoi. C'est pas pour les cheats ou pour les autres parce que j'ai jamais utilisé ce mode avant donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Là j'ai changé un petit peu, j'ai désactivé quelques trucs. Faudra encore que je change deux trois autres trucs mais je sais pas encore comment ça fonctionne très bien donc j'étais tellement impatient de commencer la saison 2 que bah, je me suis dit bah, on n'attendra pas les mods, on va commencer ainsi et je les ajouterai au fur et à mesure de la saison. Donc là c'est la map Forestia Island donc, que j'ai téléchargée sur minecraftfrance.fr et le texture pack c'est le Soartex en 64 par 64. Vous voyez là il vient d'avoir pendant quelques secondes un dessin d'un petit slime avec écrit in chunk, ça je sais pas trop ce que c'est donc si vous savez vous pouvez me le dire mais je risque de désactiver encore plusieurs choses parce que je sais pas trop comment ça fonctionne. On commence par prendre du bois, par contre ça m'énerve que le mode timber soit pas encore mis à jour. Parce que pour le début, pour commencer comme ça, pour vous, bah, ça semble plus simple. Enfin, ça va plus vite pour faire la maison ou des choses comme ça, mais bon. Donc les objectifs que j'avais comment fixés ne changent pas. Hein. C'est juste la dernière partie, parlant des mobs. Il y a du charbon là-bas au-dessus. Parlant des mobs, des mods. Qui va être un peu mis en stand-by on va dire le temps que les développeurs mettent les mods à jour en fait. Moi je prends encore cette harpe-ci puis après on va aller se faire une pioche en par contre j'ai retiré la musique parce qu'elle avait un peu fort. Voilà, on va aller se faire une pioche maintenant en bois pour prendre un petit peu de cobble histoire de faire les premiers outils. Ici je le sens bien. Garder un peu histoire de pas être trop gourmand. Ah oui, par contre pour que le CJB mode là il se mette bien, j'ai dû mettre le jeu en anglais en fait. Parce que je sais pas les écritures du jeu en français, donc de la traduction étaient trop petits, donc c'était juste illisible même en plein écran, on savait pas lire ce que c'était en fait. Donc je l'ai mis en anglais donc si jamais il y a des trucs ou quoi qui s'activent, eh ben je vous dirai ce que ça veut dire. Parce que je me débrouille pas mal en anglais. Là vous pouvez voir ici au-dessus à gauche le nombre de comment. Le nombre de. Ah, il y a wooden pickaxe, donc ça veut dire pioche en bois. Et juste à droite, il y a le nombre de coups qu'elle est encore capable de faire. Ça, c'est pas super. Enfin, si, c'est pas mal de le savoir, mais bon, ça change pas grand-chose au jeu, quoi. Donc, par contre, j'avais mis dans les objectifs par rapport au mode que je pourrais pas faire plus haut que la hache en bois mais
Pour le moment, tant que j'ai pas le mode, on va dire que cette règle, elle saute un peu à l'eau, quoi. Et quand je pourrai réinstaller le mode, ben là, je reprendrai les règles comme c'était prévu. Oh yes, du charbon, c'est bonne nouvelle. Va mettre ça à l'intérieur. Parce qu'à mon avis, on va rester ici la première nuit. Ferme la porte. Voilà, désolé, les premiers épisodes, enfin le premier épisode, c'est pas souvent très intéressant à regarder parce que c'est le Minecraft de base quoi, il faut. C'est récolte de ressources, mise en place de la saison et tout ça. Mais je fais ce que je peux pour attrayer avec ma voix d'endormi, que vous aimez bien apparemment. Mais promis, dans cette saison, je vais essayer de pas trop raconter de la merde, comme j'essayais de meubler la saison avant, et essayer de mourir le moins possible. Comme ça, je dis ça souvent, mais bon, vous me connaissez, je risque encore de faire le con avec un creeper et de m'en prendre plein la gueule. Donc ça va être pas difficile, hein, mais on va faire de notre possible. Donc ça, impératif. Les outils de base. Je vais aller dehors tant qu'il fait clair pour couper un peu de bois. Par contre, j'aime pas les grands arbres comme ça. On sait jamais attraper tout sans grimper avec des blocs en plus et tout ça. Alors, comment je vais faire pour aller là-dessus? Non, bah tant pis, je vais prendre le plus petit arbre pour commencer. Ouais, tant que le poulet, le temps que je le vois. Oula. Je sais pas ce que je viens d'avoir là, il y a ma souris qui a glissé un coup. Un petit peu d'animaux histoire de me faire un peu de viande d'avance pour pas mourir de faim dès la première nuit, ce serait dommage. Donc si le pack de texture ne vous plaît pas ou que vous en avez un autre à me faire tester, vous pouvez toujours le mettre en commentaire. J'essaierai ou je ferai un épisode peut-être avec celui que vous me proposez ou quoi. Mais moi franchement celui-ci je l'aime bien parce que le Soartex je trouve qu'il est il est clean en fait. Ça change pas grand chose. Enfin, on reconnaît chaque bloc. Enfin, chaque bloc, je vais arriver. Je trouve que c'est un design assez sympa. Moi, je sais pas, vous avez qu'à me dire ce que vous en pensez. Alors ça, j'ai presque un stack. Donc j'ai imaginé une petite évolution de la maison de la saison 1 que j'ai pas vraiment encore testé, mais j'ai imaginé juste ça sur une feuille de papier tout à l'heure. Donc je pense que je vais faire une maison soit avec la base en cobble, mais enfin pas très grande, c'est du 7 sur 7 je pense que j'avais imaginé. Et ce sera une maison de plein pied, mais avec une cave en dessous où je pourrais ranger avec tous les coffres.
Et j'essaierai de mettre des pancartes et des trucs comme ça pour que le rangement soit plus facile. Là par contre, vous pouvez voir au-dessus à gauche, là dans les informations de mode CJP, on est déjà au jour 66. Donc ça montre que celui qui a créé la map, il a mis un bon petit moment à la faire. Même s'il a utilisé des programmes pour l'aider, ce qui, enfin, je crois que c'est juste obligatoire parce que cette map est vraiment magnifique. Vous verrez tout au long de la saison des décors de fou. Juste ici, regardez l'arche. Enfin, c'est un travail de dingue, quoi. Il a dû planter tous les arbres. Mais je sais pas trop comment ça se... Enfin, comment on fait pour modder les... Enfin, si, un petit peu, mais pas dans ces proportions-là, parce que apparemment, c'est pas la première fois cet éditeur-là fait une map de ce genre-là. Donc, moi, quand j'ai trouvé celle-ci, je la trouvais déjà très bien. Il y a des œufs partout. Allez, encore un beau deux, tant qu'il fait jour. Et à mon avis, on va miner un petit peu durant la nuit pour essayer déjà de trouver un peu plus de charbon et du fer, histoire de se faire une pioche en fer pour si jamais... Oh génial! Sans faire exprès, je suis tombé sur du charbon. Faut que je fasse vite quand même, parce que les monstres vont bientôt arriver. Maintenant, il faut que j'arrive à retrouver la petite caverne que j'ai creusée. C'est pas par là. C'est pas par là non plus. Où est-ce que c'était? Il faut que je regarde. Donc ici, il y a des herbes qui sont tombées, donc c'est que c'est pas loin d'ici. Par là au-dessus. Oh là là, je sais plus où c'est. C'est ici sur les bords, ça je suis sûr et certain, mais bon. Où est-ce que c'était? Ici, c'est où j'ai trouvé le charbon. Oh là là, je sais plus. Attendez, quand démarre ici. Non, c'est pas là-bas parce que j'ai pas mis de torche en... Ah là. Ouf. Donc, je vais mettre un peu plus de luminosité pour vous, hein, pour que vous. Parce que si vous voyez le noir, ça va pas être très joli. Donc il me semble qu'on a commencé l'épisode à 8h. Heure de jeu. Donc là je vais creuser, ouais, dans cette direction là. Je vais faire un four histoire de chauffer les comment les viandes qu'on a déjà trouvées. Où est-ce qu'elles sont là? Le poulet. Se faire 2-3 torche là pour commencer. Je vais mettre une d'or aussi pour me retrouver mon chemin plus facilement la prochaine fois. Et on va commencer le minage opti.
que désolé encore une fois de filmer ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris là. Ouais, pourquoi pas? J'ai pas compris pourquoi ça a changé comme ça. Et là, c'est en train de caler un coup. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Il y a un petit calage, je sais pas si vous voyez, mais il y a un calage comme ça après chaque. C'est bizarre. Juste quitter et revenir, on sait jamais que ça change. Non, ça continue. C'est bizarre. Bon, ça la fait plus. Bon ben, j'ai pas trop d'explications, j'ai pas compris ce qui s'est passé. En tout cas, ça s'est arrêté, donc tant mieux. Je pense que là, le reste de la nuit, enfin le reste de cet épisode-ci, je vais continuer à descendre, même si c'est pas fort intéressant, je verrai si je le couperai pas au montage. Mais normalement demain, avec les ressources que j'ai, je devrais déjà pouvoir, ouais facilement même, construire la maison. Par contre, j'hésite encore pour le toit si j'utilise des bûches normales ou alors des planches. Je sais pas encore. Oh, coucou le creeper. Vas me dire bonjour. Pas gaspiller les niveaux. Hein. Donc il faut que je refasse une pioche. Je vais m'en faire deux directement, ça sert toujours de toute façon. Et ça aussi, c'est primordial. Voilà. Est-ce que ça finit de cuire? Oui. Oh l'enfoiré! Mais il est pas content le creeper. Pourtant, j'ai pas compris, j'étais pas. Bon, ben, on rebouche comme on peut. J'ai pas compris ce qui est arrivé là. J'étais en train de faire quelque chose, boum. Bah ben, tant pis. Qu'est-ce que je faisais moi? Ah oui. Je vérifie que ouais, je suis bien en normal parce que la barre de faim est remontée toute seule. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais c'est pas grave. On va continuer de descendre. Ah, yes, du fer. Beau petit filon en plus. Attendez, je suis un peu perdu là, comme ça. On arrive sur de la terre. Oui. Continue de descendre. Normalement sur cette map-ci,
le créateur ou le modeur, je sais. Ouh, une galerie. Donc, tu disais que le modeur ou le créateur a normalement mis. Enfin, normalement, il a ajouté toutes les ressources du jeu. Donc, niveau défi, si vous en avez à me proposer, ben, mettez-les dans les commentaires. Je pensais peut-être à essayer de récolter toutes les laines du jeu. Mais elles sont, c'est un peu basique comme, comme défi, mais je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée. J'espère qu'il n'y a pas de monstre. Bon, là, il n'y a rien. Donc par contre, non, technique Bob Lennon. Toujours vers la droite. Voilà. Oh oui, du fer. J'ai déjà 10 de fer. Par contre, là, c'était pas une super grande galerie. Donc j'aimerais bien continuer mon escalier comme il était. S'il y a moyen. Comment je vais faire? Parfait. Comment je vais faire? Je regarde si je me suis pas trompé quelque part. Comme ça. Ah non, il manque un étage. Donc là, ça on peut enlever. Oui. Là. Puis ouais, voilà, on peut descendre. Oui, certains vont trouver que je suis un peu maniaque dans ma façon de miner, mais c'est juste que je fais ça, c'est parce que en général j'ai l'habitude de descendre, et même quand je trouve un filon, bah, de le laisser tout comme ça, mais après je trouve que ça fait barbare et je recommence tout, je le fais quand même par après, mais bon, tant que je suis là, je me suis dit que je le ferai maintenant, et que tant pis. Oh oui, encore du fer. J'ai assez de chance pour le moment. J'ai déjà à 15 de fer au premier épisode, c'est pas mal, je trouve. Mais il me semble à 8 heures. Bon, ben on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était le premier épisode de Capitaine Les Cubes saison 2. Salut à tous.